Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, c'est Ducider, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Titans Return Trigger Happy. Donc nous allons, comme d'habitude, commencer par la boîte, avec déjà en haut un artwork plutôt sympathique de Trigger Happy en train de mettre sa tête, comme n'importe qui ferait en allant dehors. Une image 3D de son mode alternatif avec le petit Headmaster qui est là, Blowpipe et Trigger Happy, Titans Return Deluxe Class. Transformers en rouge sur fond noir ici, Generations. Ici nous avons le même artwork. À l'arrière, nous avons donc une petite bio de Trigger Happy. Bio d'ailleurs qu'on dit en français. Hein. Mode robot, mode alternatif, la tête qui se transforme, la tête qui peut aller dans le cockpit. Le petit truc super sympa est Titans Return avec en cross 16 Overboard, Twinferno, Megatron que vous verrez dans 2 semaines sur la chaîne, et Sixshot que vous verrez d'ici 1 mois ou 2. Voilà, il est juste à côté de moi, mais le temps de sortir toutes les reviews, vous ne le verrez que dans 1 mois ou 2. Voilà. Dans la boîte, nous avons aussi, comme d'habitude, cette fois-ci je ne l'ai pas oublié, la carte donc de Trigger Happy avec le même artwork que sur la boîte, que je trouve très sympa. Bon, ça y fait des jambes assez grosses, mais bon, c'est la proportion, enfin c'est la proportion que je veux dire. C'est la perspective. Voilà. Les tech specs qui sont pas non plus brillantes derrière. Donc Trigger Happy sans Blowpipe a 7 en force, 7 en vitesse, 7 en intelligence, 8 en puissance de tir. Et avec son Headmaster, il a 9 en force, 9 en vitesse, 11 en intelligence et 15 en puissance de tir. C'est pas mal. Je vois pas pourquoi un Headmaster rajoute de la puissance de tir, mais quand on voit que c'était un Target Master avant, ça se comprend plus facilement. Et donc nous avons ici Trigger Happy. Ne vous inquiétez pas, vous allez être plus près. Donc voilà, Trigger Happy qui est l'un des meilleurs jouets de la gamme, tout simplement. Avec le duo des. Le duo Top Spin Twin Twist, que vous verrez aussi sur ma chaîne. C'est un des meilleurs jouets niveau transformation, réalisation, idée. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, on le retrouve comme le G1. J'allais dire comme d'habitude, mais étant donné que c'est son deuxième jouet depuis G1, si je me souviens bien, c'est pas vraiment comme d'habitude. Donc, nous avons son mode alternatif qui ressemble un petit peu à X-Wing. Un petit peu. On peut voir ça. Bon. En vrai, on va dire que c'en est pas, mais on verra peut-être pour un custom de quelqu'un un jour sur internet. Enfin bref, donc c'est un avion qui est très bien fait, très joli, donc avec le cockpit ici, quelques petites touches de doré à ce niveau-là. Voilà, de l'argenté devant les réacteurs, les petites ailettes avec du bleu, de très jolies bandes bleues plus claires, du blanc et le symbole Decepticon sur les ailes. Un autre symbole Decepticon ici. Donc je pense que c'est un Decepticon, en même temps avec des armes comme ça, ça pourrait être un Wrecker Autobot, donc. Mais non, c'est un Decepticon. Voilà, donc d'immenses armes, d'immenses canons ici, qui pourraient, on pourrait avoir peur qu'ils se cassent, mais non, c'est du plastique solide et c'est pas, comment, c'est pas juste une petite plaque, c'est pas comme s'ils avaient continué ces ailes-là pendant très longtemps. C'est vraiment des cylindres, donc c'est solide, et puis ils sont un petit peu attachés ici, donc vous risquez pas de les casser. En accessoire, il a ces deux canons que je trouve plutôt sympa. Ça fait comme des shotguns, fusil à pompe. Et surtout, on peut évidemment les combiner pour mettre le Titan Master dedans. Et là, nous avons ici les pieds et des sortes de bras qui nous rappellent son Target Master de l'époque, donc qui s'appelait Blowpipe. Et en parlant de Blowpipe, on va le sortir tout de suite de son cockpit. Parce que oui, comme vous l'avez vu sur la boîte, le cockpit s'ouvre, évidemment. Puis c'est un Titan's Return, hein. Donc, voilà. Et à l'intérieur, nous avons le petit conducteur Blowpipe. Alors,
Il est à noter que Blowpipe ne peut se mettre dans le cockpit, enfin du moins sur mon exemplaire, que en ouvrant cette partie-là aussi. Sinon, les jambes ne rentrent pas dans ce trou-là et je ne peux pas le faire asseoir correctement. Par contre, on peut le mettre en mode tête sans aucun problème. Voilà. Donc on referme le cockpit. Et on va prendre un petit peu de temps pour regarder Blowpipe. Donc. Voilà, qui est plutôt sympa. Quelques détails, mais pas beaucoup non plus. Voilà, évidemment la tête derrière. Aucune application de peinture, ce qui est bien dommage. En comparaison avec un autre Titan Master présenté plus tôt sur ma chaîne, Fracas, le premier Titan Master, donc du premier Titan's Return que j'ai eu, tout simplement, de Scourge, donc. Voilà. Et donc on peut le mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cockpit, mais aussi on peut le brancher sur ces petits plots qui sont là. Et qu'on retrouve sur la plupart des Titans Return. Voilà, donc il a deux trous en dessous de ses pieds, comme tous les Titan Master. Et on peut le brancher là. Et celui-ci tient sans problème. Voilà. D'ailleurs, pour les armes, je ne l'ai pas dit. Mais les armes, on peut uniquement les mettre dessous. On peut essayer de les mettre dans les ports qui sont ici. Mais c'est plus délicat. Voilà. Et donc, comme je disais, on peut prendre le Titan Master, le mettre en position assise. Et le mettre comme ça à l'intérieur. Sauf que le mien a une légère manie. Comment? A la manie de sauter des deux plots dès qu'il le peut. Là, il n'a pas envie apparemment. Mais bon. Donc, j'ai pas passé en revue les articulations. Donc, nous avons la tête sur un ball joint. Donc, il peut aller un petit peu sur le côté, mais surtout faire un 360. De gauche à droite. C'est pour le mode tête, évidemment. Les épaules un petit peu vers l'extérieur pour donner l'allure un petit peu plus vivante. Et jusque-là à peu près. J'essaie jamais de forcer trop pour pas abîmer le visage qui est derrière ou même les épaules. Et donc, les jambes qui sont soudées, qui vont jusque-là en avant, jusque-là en arrière. Et ensuite, le genou qui peut plier dans les deux sens. Voilà. Donc maintenant pour les fonctionnalités plus du quoi, passer un tout petit peu plus en détail le mode alternatif. Donc nous avons des aérations ici, très jolies. Il y a plein de petits détails partout. Hein. Là on a le train d'atterrissage qui peut se rentrer comme ça, voilà, qui se ressort simplement en poussant là-dessus. Voilà, ça se fait très simplement. D'en dessous d'ailleurs, il n'y a quasiment rien. On peut voir les cuisses du robot, mais c'est à peu près tout. J'adore les détails qu'il y a ici, ça fait vraiment comme si c'était une turbine en fait. Comme si justement il utilisait ça pour voler un tout petit peu. Et les réacteurs, les gros réacteurs ici comment, bronze doré comme on a là. Donc qui servent à le propulser. Voilà. Donc d'ailleurs, je pensais en l'achetant, je pensais que ça allait être plus épais. Mais en fait non, c'est juste des petits trucs tout fins. Bon, c'est pas très gênant, mais ça fait bizarre. Avec la. Comment? Vu comment c'était fait, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose vraiment un cylindre, en fait. Mais non, ben, c'est plus original de faire comme ça. Voilà. En comparaison, le voici avec Scourge, justement. Le seul autre vaisseau que j'ai traité en Titan's Return pour le moment. Et vous pouvez voir qu'il fait à peu près la même taille. Seule différence, c'est que lui a beaucoup de panneaux et il n'utilise pas toute cette partie-là du vaisseau. En fait, rien du vaisseau ne se retrouve sur le robot. Voilà. Et Trigger Happy, quant à lui, a absolument tout. Il n'y a que le nez qui n'apparaît pas sur le vaisseau, mais qui apparaît en faux, en fait, sur le vaisseau. Vous le verrez après la transformation. Et justement, je pense qu'il est largement temps de passer à la transformation. Alors, pour commencer, on va prendre donc l'ensemble des ailes, des réacteurs canons et des petites pièces bloquées qu'il y a là. Et on va les détacher. Bon, c'est assez solide. On les détache et on les ramène sur cet axe-là. Voilà. Donc c'était juste attaché à l'intérieur de ceci. Voilà. On peut ramener vers le bas tout en détachant cette pièce-là de cet endroit-là. Voilà. Donc on détache, on ramène ça comme ça.
ainsi. Ensuite, on peut prendre tout l'arrière et le ramener vers le bas, donc sur cet axe-là. On ouvre l'avant. Et là, c'est sans doute la partie la plus intéressante. Donc, je vais monter la caméra pour que vous puissiez voir. Et donc, la partie la plus intéressante n'est autre que tout ça. Faut le pivoter en fait sur la turbine dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on peut ramener ça un tout petit peu vers l'avant, déplier ce qui va former les jambes, donc sur cet axe, l'axe qui est ici, comme ça. On sort les pieds. Voilà, on ramène tout droit. On tourne le bassin et on ramène ça comme ça, ce qui vient fermer le torse. On ramène le nez du vaisseau en arrière comme ça, bien dans le dos, tout vient se mettre comme il faut, parfait. Et ensuite, on vient prendre ça, on ramène d'abord comme ça, je trouvais que c'était plus facile à faire dans ce sens-là, donc on ramène comme ça et ensuite on vient ramener ça, comme ça, jusqu'à ce que ça clipse. Ça tient très bien. Voilà, pour le petite mise en garde. Voilà, faut bien appuyer, c'est clipsé, ça bougera pas. Et maintenant, donc on détache les jambes l'une de l'autre. On prend les ailes, on les ramène vers l'arrière. On prend les canons, on les ramène bêtement comme ça. Et la main, on peut la ramener vers le bas. Et elle vient juste pas clipser, mais se mettre en place ainsi. Et elle va plus bouger. Voilà. Plus qu'à ajuster. Pareil ici. On sort ici. Comme ça. Et Trigger Happy est en mode robot. Et évidemment, vous avez vu que je n'ai pas sorti la tête étant donné qu'elle est ici. Donc, suffit de ramener ça comme ça. Ramener les jambes comme ça. On a les petites encoches sur le côté de la tête et la petite encoche dessous. Comme ça. Et vous pouvez donc le clipser. Attendez. Comme ceci. Et maintenant, Trigger Happy est en mode robot. Et ce mode robot est juste très loin des premières impressions que j'avais eues avec, par exemple, Scourge, qui se sont détériorées bien vite, hein, devant les joints qui devenaient peu à peu assez lâches, et les détails qui finalement n'étaient pas les plus beaux, hein. J'étais surtout heureux d'avoir enfin un Headmaster, mais maintenant que j'en ai pas mal, je me dis de plus en plus que Scourge était assez simpliste. Mais ce Trigger Happy, franchement, est génial. Pour un personnage en plus qui n'est pas forcément très connu, il a eu une transformation excellente et une magnifique remise au goût du jour de son personnage. Donc, on va séparer ses armes et on peut lui mettre évidemment dans sa main, mais aussi sur les ports qui sont ici. Bon, c'est moche de ce côté-là parce que c'est vide, mais on peut. Voilà. Et vous pouvez voir que là, il en impose. Bon, il n'y a pas forcément besoin de ses armes, étant donné les immenses canons qui sont le long de ses bras. Mais bon, pourquoi pas. Donc, pour revenir aux détails, il n'y a vraiment pas grand-chose en plus du mode alternatif, hein. Le fait que le torse soit maintenant plus large, que ça soit pas juste le côté, enfin le. Comment? Que ça s'arrête pas aux aérations ici sur les côtés. Je trouve que ça donne vraiment bien. Et surtout, un super niveau de détail qui a été fait ici. Parce que quand on arrive ici, donc le cockpit se casse, mais en fait, pas complètement, parce qu'on voit le plastique ici qui continue à faire comme si c'était la vitre. Et ici, comme si c'était en fait l'avant du mode vaisseau qui se retrouve tout simplement ici. Il n'y aurait pas eu cette fente là pour avoir le joint champignon, comme ils appellent, pour faire la rotation ici. Ça, l'illusion aurait été encore mieux réalisée, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. À part ça, oui, on a les pieds, ça fait des petits trucs sympas, mais pas grand-chose à dire dessus. Si, autre petite chose à dire, tout à l'heure je vous ai dit que le bronze était tout localisé à l'arrière du cockpit, maintenant il y en a sur le torse et en bas des jambes.
Je trouve que c'est plutôt sympa comme ça. Les agencements, oui, bien sûr, les agencements de couleurs qui changent d'un mode à l'autre, j'ai toujours trouvé ça super intéressant de voir comment des couleurs qui sont pas du tout au même endroit sur un mode robot peuvent se retrouver au même endroit au mode alternatif, par exemple. Donc voilà, pour la petite comparaison, comme tout à l'heure, le voici avec Scourge, que je trouve maintenant nettement moins bien. Trigger-happy, j'ai hésité avant de me le prendre quand même, je savais pas trop, puis finalement j'ai trouvé en magasin, et vu que avec lui il y avait bon, un seul Breakaway, il y avait des Twinferno, un Hot Rod, je me suis dit c'est le seul Trigger-happy, je vais sauter dessus, je vais le prendre, et finalement j'ai pas été déçu du tout. Voilà. Niveau articulation, nous avons un ball joint évidemment au niveau de la tête, donc on peut faire 360 tranquille, pas de problème. Deux joints ici, ce n'est pas un ball joint. Il y a donc un joint pour aller vers le haut pour qu'il se tape la tête avec ses réacteurs. Et un joint pour tourner comme ça. Mais c'est pas très gênant. Voilà, je trouve ça a jamais dérangé les possibilités, enfin les poses que je voulais faire avec ce jouet, étant donné que ne pas avoir de ball joint au niveau des épaules pourrait être un petit moins. Mais pas du tout, étant donné que en dessous on a quand même l'articulation ici. Même si c'est bloqué là, on peut toujours ramener ainsi, par exemple. Suffit de bouger le keyball, oui, ça c'est du keyball hein, complètement. Suffit de le bouger pour pouvoir avoir accès à tous les mouvements. Un mouvement au niveau de la main, mais il y a un petit cran, le cran d'arrêt dont je vous parlais tout à l'heure. Vous l'avez vu pour la transformation, il y a aussi une rotation au niveau du bassin, sans problème. Les jambes qui vont vers l'avant, tranquille. Vers l'arrière, tout aussi tranquille. Vers l'extérieur, aucun problème. Ça tourne à ce niveau-là, il n'y a pas de cran d'arrêt par contre pour ramener la jambe comme il faut. D'ailleurs, j'aime bien le design des cuisses ici, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, on a évidemment la jambe qui se replie entièrement pour la transformation. Et pareil pour la transformation, hein, le pied qui va vers l'avant, surtout vers l'arrière, et le talon qui peut bouger indépendamment du pied. Voilà. Ce trigger happy est vraiment, vraiment génial. Je le trouve excellent, super joli. Et j'ai rien d'autre à dire dessus. D'ailleurs, je voulais tester quelque chose, je ne sais pas si je l'ai déjà testé. Mais non, c'est un tout petit peu trop grand. C'est dommage, ça aurait pu faire des ports 5 mm pour mettre des canons sur les épaules. Mais je pense qu'avec les trucs, avec ce qu'il a pour le moment, je pense qu'il est assez bien loti pour qu'on n'ait pas besoin de lui en donner plus. Donc voilà, j'imagine que je n'ai rien d'autre à dire sur ce Transformers. Si à part qu'il est génial, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. Si vous aimez bien les Classics Generations et tout ça, prenez-le. Parce que franchement, dans ces gammes-là, c'est un excellent jouet récent. Et des excellents jouets récents, bah, à part Top Spin et Twin Twist, peut-être Six Shot si vous n'avez pas le G1, peut-être Megatron si vous aimez ces modes alternatifs, mais là encore, il n'y a pas beaucoup de choix. Là, si vous aimez le look du mode alternatif, si vous aimez bien le look du mode robot, et surtout, si vous trouvez comme moi que la transformation est intéressante, foncez dessus, vous n'allez pas du tout être déçu. Il est très posable, il est très jouable. J'en ai pas parlé, mais à l'arrière ici, on a un port 3 mm, et dessous ici aussi pour le mode alternatif, des ports 3 mm pour pouvoir mettre, évidemment, non pas le couteau de Hound Age of Extinction, comme l'aurait dit Raph, allez voir sa chaîne, mais pour mettre un stand, donc vous pouvez le faire voler tout simplement, et c'est génial. Ils le font sur tous les Titans Return, mais c'est une très bonne addition pour ceux qui veulent faire des poses un petit peu plus, un petit peu mieux. Voilà. Donc, évidemment, j'étais en train de, j'ai divagué sur quelque chose d'autre. J'étais en train de dire si vous pourriez le prendre. Et ben, si vous le trouvez en magasin, pas trop cher évidemment, foncez dessus. Allez-y, n'ayez pas peur. Il est vraiment excellent. Franchement, il en vaut la peine. En niveau Decepticon, je pense que c'est le meilleur des Titans Return. Voilà. Pas grand-chose d'autre à dire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et
Donc voilà, normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there, fun farmer un jour, fun farmer toujours. Allez, salut!